Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en me réveillant, j'ai reçu un message venant, je ne sais pas qui m'a envoyé. Il m'a dit, mon petit, il faut arrêter ce genre de vidéos, c'est de l'incitation à la République. Mais à un moment donné, il faut arrêter, les amis. Cher Camerounais, je vais vous dire une chose, il n'y a jamais de conséquences sans cause. Il n'y a jamais de conséquences sans cause. S'il y a une conséquence, ça veut dire qu'il y a une cause. Alors c'est quoi la conséquence, c'est quoi la cause, hein? Pourquoi vous voulez fermer les sur les causes, vous ouvrez les sur les conséquences? Ça ne se fait pas. Nous sommes assez attentifs et on voit ce qui se passe. Vous ne pouvez pas ignorer les causes. Vous prenez les conséquences en considération. À un moment donné, il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas jouer avec le peuple à tout moment. Vous ne pouvez pas jouer avec le peuple à tout moment. Ce n'est pas parce que le peuple ferme la bouche que vous êtes fort. À un moment donné, il faut arrêter ça. Il n'y a pas d'incitation à la République. Et même si c'est le cas, les qui sont à l'origine? Les qui sont à l'origine? C'est vous le RDPC, c'est vous nos dirigeants. Et moi, je ne souhaite pas ce genre de choses pour mon pays. Mon pays est tellement beau. Mais je ne souhaite pas ce genre de choses pour mon pays. Alors, il faut savoir une chose. Il n'y a pas de conséquences sans cause. S'il y a une conséquence, ça veut dire qu'il y a une cause. Vous ne pouvez pas priver un peuple de sa liberté d'expression. Et aujourd'hui, vous venez parler d'incitation à la République, jamais. Aujourd'hui, même l'électricité, les Camerounais peuvent avoir. C'était Camerounais peuvent même avoir de l'emploi. L'argent du pays, vous détournez. Vous voulez, vous envoyez vos enfants dans des grandes écoles à l'étranger comme s'il n'y avait pas d'école au Cameroun. Hein? Vous ne connaissez pas ce que c'est que la souffrance. Vous ne connaissez pas ce que le bas peuple vit. Vous ne vous souciez pas du bas peuple, les amis. Hein? Le tribalisme, c'est vous. La corruption, c'est vous. Le favoritisme, c'est vous. Et pendant combien de temps? Pendant plus de 40 ans. Mais aujourd'hui, le peuple s'élève pour revendiquer. Le peuple revendique quelque chose, un changement. On nous a donné assez de temps pour prouver qu'un Cameroun meilleur est possible. Mais vous n'avez pas pu. Aujourd'hui, que le peuple revendique, vous parlez de l'incitation à la République. Mais c'est qui la cause? C'est qui la conséquence? Ne fermez pas les sur les causes, vous ouvrez les sur les conséquences. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est vous la cause. Alors, il faut assumer. C'est comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, rien ne va arriver au Cameroun. S'il faut qu'on gagne les élections, ça ne sera pas la voie légale. Ça ne sera pas la voie légale. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez mettre le tort sur le peuple. La faute même vient de vous. C'est vous qui avez échoué vos commissions pendant plus de 40 ans. À un moment donné, il faut accepter que vous avez échoué. Arrêtez ce genre de motifs. Vous connaissez seulement coller les motifs sur les gens, mais vous ne connaissez pas. Acceptez ce que vous avez fait. La cause, c'est qui? C'est vous. C'est vous les dirigeants, c'est vous la cause. Vous voyez? Donc, n'ouvrez pas l'œil sur les conséquences, mais voyez d'abord ce que vous avez fait. Voilà, vous avez prôné la corruption. Le favoritisme, c'est vous. Aujourd'hui, au Cameroun, si tu n'as pas de l'argent et les relations, tu n'es rien. Tu ne vas aller nulle part. Le mérite n'a plus sa place dans notre pays. Mais quand le peuple se lève pour revendiquer, pour dire non à ceci, vous dites incitation à la République, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Alors, les amis, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Moi, je suis sûr, on monte, on descend. Le RDPC, ça ne sera pas facile pour vous cette année, parce que nous, la nouvelle génération, on a pris conscience. On ne va pas se laisser berner. Comme vous avez trompé nos parents dans les années 82 avec les pains sardines, les pains et tout là. Non, ça ne sera plus possible, les amis. On va voter. On va s'inscrire massivement. Et on va gagner. Et arrêter de coller des motifs sur les gens. Acceptez que vous avez échoué. Ce n'est pas nous qui avons volé l'argent. Ce n'est pas nous. C'est vous. Aujourd'hui, nous vivons dans une situation qu'on ne peut même pas expliquer. Les Camerounais sont malades. Tellement penser que tu es Camerounais, tu es malade. Tu dors le matin, même tu ne sais pas par où tu vas commencer. C'est pas nous. C'est pas nous qui avons privé les biens du Cameroun, les amis. Alors, arrêtez d'accuser le peuple. C'est vous le problème. C'est pas nous. Arrêtez d'ouvrir les sur les conséquences ou fermer les sur les causes. Parce que la cause, c'est vous. Si aujourd'hui le Cameroun est à ce niveau, c'est à cause de vous. Alors, il faut accepter vos erreurs et